la Coupe du Monde Alto, c'est un événement particulier, il me tient vraiment à cœur. C'est ma course, c'est la course à la maison. On est sur ma piste. À la maison, y a un peu plus de pression et plus d'attente. Et puis c'est peut-être pas forcément une piste qui me convient à 100%. Il y a cette longue première partie plate qui redistribue les cartes après le départ. Donc il faut arriver à être en tête au bout de cette ligne droite. Et c'est jamais facile. Le physique est super important. C'est une piste longue, elle fait plus de 1 minute 10. Et là, on sent vraiment les cuisses qui brûlent. Run après run, ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus physique. On sent l'acide lactique monter dans les jambes. Et c'est là où il faut arriver à faire la différence. Courir à la maison devant la famille, les copains, le fan club, c'est vraiment une énergie positive. C'est sûr que ça peut rajouter un peu de pression, et maintenant, c'est vraiment un plus. Ça m'avait pris 3 ans pour y arriver. J'espère que cette fois-ci, ça ira plus vite pour gagner de nouveau.